Vous suivez la télévision Sanganilo. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Commémoration du 52e anniversaire de l'assassinat du dernier roi de Burundi, Charles Ndiaye V, ce lundi. Pour cette occasion, un des membres de la famille royale réclame la vérité. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Il souhaite l'intervention des autorités pour ce qui est de la diminution des prix des produits de première nécessité. Et ce sont les habitants du quartier Tchétchénie de la zone Moussaga, à ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganilo, témoignent vivre dans la misère. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Le ministère de la Communication et des Technologies de l'Information a débuté ce lundi une enquête nationale sur l'accès et l'utilisation des TIC auprès des ménages dans l'administration publique et des autres institutions. Elle prendra fin ce 17 mai 2024. Cette annonce a été faite par l'assistant du ministre de la Communication ce lundi au cours d'un point de presse. Thierry Kitamoya indique que cette enquête va mesurer le progrès des différents domaines numériques. Suivez-le. Vous savez très bien que le gouvernement du Burundi a inscrit parmi ses priorités le développement des TIC. C'est dans ce cadre que la Banque mondiale a accordé un don au gouvernement du Burundi dans le cadre du projet d'appui aux fondations de l'économie numérique PAFEN. C'est également dans ce contexte que le gouvernement du Burundi vise à élaborer une étude afin de mieux cerner les besoins ainsi que des données afin de mesurer les progrès dans les différents domaines du numérique. Les résultats issus de l'enquête permettront également d'éclairer la conception et le ciblage des programmes d'accès numérique, élaborer une nouvelle politique en matière de large bande qui énonce les principes de base pour approfondir la réforme sectorielle favorable à la concurrence et soutenir la connectivité rurale. L'élaboration d'une nouvelle politique d'inclusion numérique permettra également d'évaluer l'état de la pénétration des technologies de l'information et de la communication dans la société burundaise. De telles informations serviront aussi de base pour mieux appréhender les besoins et les orientations réellement souhaitées par les utilisateurs pour la promotion de l'administration, de l'e-gouvernance, de l'e-commerce et d'orienter en conséquence les politiques de développement du secteur TIC vis-à-vis de ses usagers. L'enquête sera menée par un bureau retenu et spécialisé dans la conduite de telles activités de collecte des données. Les enquêteurs qui vont faire cette enquête ont subi une formation qui a duré 3 jours et dès ce lundi, ils sont déjà sur terrain. L'enquête sera menée auprès des ménages, des administrations publiques et d'autres institutions. Et c'est pourquoi ces enquêteurs vont se rendre dans les ménages, dans les bureaux et à travers tout le pays. Cependant, ce ne sont pas tous les ménages qui seront concernés par l'enquête, car l'enquête va cibler des échantillons dans des communes ou provinces. Les données recueillies à travers ces échantillons permettra d'avoir une vue globale de l'accès au TIC et l'utilisation des TIC dans le pays. Alors, qu'est-ce que le ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias demande? Le ministère demande à l'administration territoriale, aux administrations publiques, aux forces de l'ordre, de faciliter le travail des enquêteurs. Le ministère demande également à toute personne qui sera approchée de donner des informations sans fond fouillant. Comme ça, on aura contribué à l'amélioration des secteurs des TIC. Je vous le disais en titre, ce 29 avril, les Burundais commémorent le 52e anniversaire de l'assassinat du dernier roi du Burundi, Charles V Ndiaye,
et le début des massacres de 1972. La famille royale réclame la vérité sur ce qui s'est passé à ce propos. Et le prince Rugema Rugemera, membre du clan Ganoa, demande aux Burundais de ne jamais trahir leur serment. Il le dit se référant sur le serment du président Michomero, selon lequel il jurait allégeance au roi. Mais 3 mois plus tard, ce dernier a été exilé. Suivez-le à ce propos. Mu gihugu bica umwami bakica aba president ntihabe inkurikizi z'ubutungane mwumva ubuzima bw'umunyagihugu. Dans un pays où on tue le roi, le président, et qu'il n'y ait pas justice par après, qu'en est-il du respect de la vie du petit peuple? Je demande aux Burundais qu'au moment de cette commémoration, de cette tragédie, que ce soit une occasion de nous unir pour nous consoler et ne pas nous diviser. Le roi Nal V était un roi pour tous, pour tous les Burundais, comme les Burundais se retrouvaient autour du roi, même maintenant, je demande qu'il soit un symbole de réconciliation. Cela a été la cause des massacres. Il y en a qui ont trahi leur serment, ceux qui ont dirigé le pays. Voici le serment du président Chombiro qui a renversé la monarchie. C'était devant le public et devant le roi. C'était le 3 septembre 1966. Sa Majesté le roi Burundais, que ton règne dure, que ton règne soit national, soit une lumière dans le monde comme la lune et le soleil. Protège le Burundi contre ses ennemis et qu'il soit respecté partout. Haldi Burundi, que l'on s'agenouille devant toi, qui es roi du Burundi, toute personne qui ira à l'encontre de ce serment, il a répondra. Ce serment prêté par le président Michel Michombero, il l'a trahi à moins de 3 mois. Il a exilé le roi Nal V comme fait pour son père Mwambutsa IV Bangri Cheng. Quand un pays n'a plus de culture à respecter, il n'y aura plus de quiétude dans ce pays. Nikigire kirazira ntateka nitekane riba rikihari muri ico gihugu. Le prince Rugemera a été traduit en français par notre confrère Étienne Manirakidza. Et à ce propos aussi, le représentant du Centre indépendant de recherche d'initiative pour le dialogue, Cyril, trouve qu'un dialogue réparateur et la volonté politique de chercher la vérité doivent être privilégiés pour éviter de retourner dans les crises qui ont endeuillé le Burundi dans les années 1972 et la suite. Adeo Hakidimana souhaite que les Burundais donnent des stratégies qui donneront de bons résultats. Suivez-le. Le travail de réconciliation n'a pas encore abouti. Il y a encore beaucoup de... En gros, un long chemin à parcourir. Pour tout dire, le processus de vérité-réconciliation a encore du pain sur la planche. Il est possible d'animer des initiatives que j'appelle novatrices pour que le Burundi s'en sorte. Une des initiatives novatrices qu'il faut chercher à avoir, c'est de d'abord amener les citoyens, nos citoyens, à tenir compte des mensonges graves qui nous ont été servis par des historiens qui n'avaient envie que de nous diviser. Par exemple, ceux qui nous ont appelés des Hutus et des Tutsis et des Tois pour nous diviser. Nous devons tirer les conclusions de ce qui nous est arrivé et puis voir plus loin. Mais il y a une exigence qui sera probablement très difficile à atteindre. C'est que quand vous parlez de dialogue, un dialogue inclusif, un dialogue transparent, un dialogue empathique, etc. Moi, il y a ce que j'appelle aussi un dialogue réparateur. C'est nouveau. Un dialogue réparateur, c'est-à-dire un dialogue qui tient compte des craintes de l'autre que vous accusez avec des justifications inattaquables. Donc il nous faut travailler avec un souci comme celui-là. Savoir que les résultats que nous cherchons peuvent venir, mais ils peuvent venir à titre posthume. Longtemps après notre passage sur Terre, tout qui peut arriver de notre vivant. Si c'est le cas, c'est tant mieux. Mais au départ, nous devons commencer à donner plus d'importance à l'objectif stratégique visé
qu'au résultat qui nous profitera. Page Société pour clôturer ce journal. Les habitants du quartier Tchétchénie de la zone Moussaga disent qu'ils mènent une vie pénible. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio-télévision Isanganiro évoquent l'incapacité de subvenir aux besoins de leur famille à cause de la flambée des prix des denrées de première nécessité. Ils souhaitent l'intervention des autorités pour la diminution de ces prix. Le point avec Lydie Gahimbal. Si tu as un gusuma, on a la chouette à Kutora, il y a un bichoumi, à Kajakunso, Kasuma, Sumahibi Harake, Kasangi Harake, Zaratouze, C'était aux environs de 10h45. Cette mère de 4 enfants prépare le repas. Elle raconte que faire nourrir ses 4 enfants actuellement, c'est une chose difficile. Elle indique qu'avec les 10 000 francs brandés dans les années passées, elle parvenait à nourrir ses enfants pendant 2 ou 3 jours. Mais aujourd'hui, la même somme est insuffisante. Avec les 10 000 francs brandés, elle achète 1 kg de riz et 1 kg de haricots sans avoir d'autres éléments nécessaires, ajoute-t-elle. Aujourd'hui, nous achetons 1 kg de haricots à 3500 francs burundais, voire même plus. Et 1 kg de riz, une farine ou les braises pour la cuisson, on consomme plus de 10 000 francs. On s'arrange à ce qu'on achète de petites quantités pour ne pas dépasser cette somme, car c'est le montant maximum qu'on arrive à avoir. Une autre personne est rencontrée au même endroit, dit communément Tchétchénie, c'est le tailleur. Celui-ci dit qu'il ne parvient pas à nourrir ses 6 enfants à cause de la cherté de la vie. Il indique qu'il ne gagne rien à voir l'argent qu'il dépense pour les besoins de sa famille. Je suis tailleur. Avec mon travail, je ne gagne rien. Les prix des denrées alimentaires ont grimpé. Nous menons une vie pénible. Je dois au moins avoir 500 francs pour acheter un oignon, 1000 francs pour des tomates. Or, même les habits sont chers. La vie est vraiment chère. Ces habitants rencontrés au quartier Kinanila 1, communément appelé Tchétchénie, demandent aux autorités habilitées d'intervenir afin de diminuer les prix des denrées alimentaires pour qu'ils puissent nourrir leur famille. Merci à Lydie Gahimbare et Innocent Yvonimana pour ce reportage. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.